C'est gros. C'est mon record, Attention à toi. Je comprends pas ce qui est en train de se passer. C'est dingue. Salut à tous les gars. On est avec Robin du compte Insta Multispecies. N'hésitez pas à aller le voir. Tu fais de l'eau douce, tu fais du... De la mer, de l'eau douce. Tu fais tout. On est là pour vous dire qu'on vient de faire une session de malade mental. Enfin, personnellement, je pense avoir fait la meilleure session bar de ma vie. Enfin, c'est juste hallucinant ce qui s'est passé. C'est vraiment hallucinant. C'est une session qui restera longtemps gravée parce que j'ai pris un plaisir vraiment monstrueux. C'était un truc de malade. Donc, je vous laisse avec les images, je ne vais pas parler plus. Je vous laisse avec les images, je pense profiter, que... Vraiment. Ah, c'est ça. Ça va en prendre plein les yeux. Ouais, c'est ça, profiter. Profiter, un seul mot, profiter. Bon allez, merde à toi. Bien joué. Bien... Ah, c'est un lieu? Non. Vas-y, viens. Attends, je t'apporte l'épuisette. C'est un lieu? Incroyable, ça. Je sais pas si ça va être assez long. Oh, il est fat. Oh, ça va être... Tu lui bien fat, je le drop un peu, mais... Non, c'est bon là, j'ai réussi à faire le jump. Voilà. Vas-y, attends la vague. Nickel. Yes. Oh, top ça. Oh, c'est beau ça. Il est magnifique en plus, il y a des belles couleurs. Ouais, je vais me remettre au bar là, c'est... Les conditions sont... trop incroyable pour les négliger. Bah, je pense que je vais faire un tampon en MFG. Hein. Ouais, je crois que je vais même pas pêcher en MFG, je vais pêcher avec juste cette badling. Ouais. Parce que au moins ça rentre pas dans mes anneaux. Je vais pouvoir mettre des frappes. Ouais, je pense que je vais faire ça. Hop. Bon, allez, je vais essayer avec un crazy. Hop, crazy sand hill. Crazy sand hill. Ouais. On va essayer. Thank you.
Avec le soleil, c'est incroyable. Allez, viens voir. C'est terrible. Là, l'eau, elle a une couleur, mais magnifique. Ah ouais. Dans une eau comme ça, il y a moyen de faire. Ah là, il y a moyen. On arrive sur le coup du soir, le soleil se devient de plus en plus bas. Ça peut carrément mordre. Je vais aller chercher mes lunettes de soleil aussi parce que c'est la galère. C'est généralement à cette hauteur d'eau là qu'à chaque fois j'ai eu du poisson. Poisson! C'est gros, c'est gros, c'est gros! C'est fat de ouf! C'est mon record, c'est mon record. C'est peut-être pas mon record, il fait plus de 60. Et attends, il est pas sorti. Oh, il est fat de fou. Attention à toi. Attention à toi. Ouais, bah pareil. Vas-y mon gars. Non. Là, vers le bas, le fils. Oh, il va me couper. Oh, c'est bon. Tu mets les pieds dans l'eau et c'est moi qui te l'amène. Attends. Vas-y. Lève pas. Oh putain. Ah, faut pas aller. Oh ouais, c'est bon. Oh, c'est pas mon record, mais il est fat. Hein. Oh. Big bar. Ça fait 60 plus. C'est énorme. Attends. Ouais, normalement, il y a. La flotte elle vient plus jusqu'à là, attends. Ouais, t'inquiète, c'est rien. T'inquiète. Oh, j'en tremble. Ah, vu les coups de tête, je croyais que c'était mon record quand j'avais les coups de tête dans le ressac là-bas. Ça faisait bah. Ah, laisse tomber. C'est bon ? Bon, voilà les gars, super poisson. On est clairement au paradis là. Faut pas dire mieux, on est sur un spot splendide. C'est un magnifique poisson de 62 cm qui vient me rendre visite. Linéaire pleine balle dans le courant avec un crazy sandil. Vraiment, je me suis fait stopper net, ça m'a secoué, je me suis pris un bon rush.
On va remettre tout de suite ce magnifique poisson à l'eau. On fait un gros bisou d'abord. Bon allez, remise à l'eau de ce beau pépère. C'est bon, il repart tranquillou. Wouah, le bestiau, c'est magnifique. Ah, c'est splendide, j'adore. Check ça, mec, c'est bon ça. Ouais, je te remercie de t'être trempé pour moi. Si t'as un gros, je me serais trempé pour toi, t'inquiète. Ah, puis je crois que c'était mon record au début. Enfin, quand je l'ai vu dans le ressac, je me suis dit, waouh, la taille qu'il fait. Ah, ouais, bah ouais. La barre des 60, c'est quand même. C'est autre chose. Passer, ça fait vraiment un peu trop. Ah, ouais, bah oui. Poisson. C'est pas vilain. C'est pas vilain non plus. Hein. C'est un peu plus petit, mais c'est pas vilain. C'est pas vilain du tout. Il m'a pris. Ouais, je veux bien. Il m'a pris à la tombée du leurre, alors je te raconte pas. Bon, oh, il est fat de ouf. Il est fat de ouf. Il est fat de ouf encore. Eh, c'est le même. Sans deck. Oh, il est fat. Hein. Oh la vache. Oh, le bestiau. C'est ouf, ça, quand même. Oh, il fait la même taille, gros. Non, c'est pas possible. Tu vas me passer un crédit sans guide, toi, en fait. J'en ai qu'un. Grave, ouais, il est limite plus gros ou c'est moi? Ouais, je crois qu'il est vraiment fat aussi. Hein. Ouais, il fait limite il fait 70 celui-là par contre. Session, mon gars. Il fait 70 celui-là. C'est pas vrai. Oh là là. Oh, le bestiau. Vas-y, mets bien l'épuisette. Fais attention à toi, mets bien l'épuisette dans l'eau. Non, il fait pas 70, mais sûr. Il est fat de ouf encore. Oh là 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 là, c'est quoi cette session de dingue? Vas-y. Attends. Ouais. C'est bon? Bien joué, wow. Bien joué, mec. Oh, il est fat. Regarde la tête, mec. C'est quoi cette session, mec? Regarde la tête, c'est mec. C'est quoi cette session? Oh. Bon, allez, vas-y, on va mesurer ça. Voilà. J'en crois pas mes yeux. J'en crois pas. Là, c'est... J'en crois pas mes yeux. Il fait 60 encore. Mais mec... Il fait 60 encore. Le secret, c'est le fléau de 40 centièmes et seulement 50 centimètres de bad ligne. Parfois, on cherche la finesse, mais je te jure. Bon voilà, c'est le deuxième. Deuxième 60 plus, mec, enfin 60. C'est une dinguerie, j'arrive pas à imaginer ce qui est en train de se passer. Deux pavés sur d'affilée. Hein, je prends contact avec le fond, avec le crazy, je ramène deux tours de manivelle, c'est pendu. Un énorme poisson de 60 cm, c'est juste invraisemblable. Et moi cette tête, vraiment. Cool. C'est incroyable. Je vais vite fait le remettre à l'eau, on va pas traîner. On est vraiment juste après celui que je viens de faire, donc 10 minutes après. Même pas 10 minutes, quoi, la fenêtre. Allez hop. Et là, dans une eau oxygénée comme ça, ils repartent direct. Ça fait plaisir à voir. C'est bon ça, check. J'ai l'impression que je viens de revoir cette scène. Je viens de la vivre il y a à peine 5 minutes. C'est n'importe quoi. Là, tu touches plus à ton moulin, tu laisses tomber au fond. Le deck sur le petit toc du fond. Poisson. Oh, Jacques, il se truc. Oh, c'est pas vilain. Oh, c'est énorme. Ramène, parce que là, je suis au-dessus de toi, là. Ouais, j'aime bien, c'est énorme. Oh, Jacques, il se truc. C'est encore gros. C'est encore balèze. Il va être au-dessus de toi, là. Ouais. Attends, t'inquiète. Normalement, ça le fait, là. Ouais, c'est bon. J'ai bien un coup d'épuisette parce que là, ça va être chaud. C'est quoi cette session de dingo? Ouais,
pas 60 plus, il m'en laisse même pas. Non, il fait pas 60 lui, je pense. Bon, on va 50, le voir. Hein. Il est bien lourd en tout cas. Je trouve il est encore plus gros que les autres et il est archi lourd. Je trouve il fait 70 gros. Ouais, il y a moyen qu'il soit énorme. Il est pas monté en surface. Prépare-toi parce que là il va pas monter. Oh. Oh, encore un bestiau encore, c'est n'importe quoi. Vas-y. Bien vu. Oh là là. C'est quoi ça? C'est ouf mec. C'est n'importe quoi. Attends, vas-y, on va faire vite. Non, merci, t'inquiète. C'est quoi cette dinguerie? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Je comprends pas ce qui est en train de se passer. C'est dingue. Je t'en remercie. On va pas traîner. Mesure remise à l'eau rapide. En respect de ce poisson qui me fera vibrer jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est certain. On est sur encore un poisson de 60. Bon, voilà. L'histoire se répète. J'ai l'impression d'être dans un rêve. J'ai vraiment l'impression d'être dans un rêve. C'est hallucinant ce qui est en train de se passer. Là c'est le troisième de 60. Il fait 61. J'ai passé. C'est ça. J'ai passé le Crazy Sandy à Robin. Moi je suis passé sur mon petit Jackie Slug. Ça a marché. C'est incroyable. On va le remettre à l'eau vite fait. C'est parti. Super. Allez hop. Oh là, ça repart nickel au fond. J'adore. Pour la troisième fois. Oh yes. 3 poissons de 60, c'est juste invraisemblable. C'est le mot. Et voilà, c'est la fin. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Mais cette session, je m'en souviendrai vraiment pendant très 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 longtemps. Ça c'est sûr, elle sera longtemps gravée ici. Ça restera vraiment longtemps, ça c'est sûr. Donc, concernant les leurres, parce que j'en ai vraiment très brièvement parlé dans la vidéo. Alors, les deux premiers, je les ai fait au Crazy Sandy 150. Donc ça, je pense que tout le monde connaît, tout pêcheur de bar connaît ce leurre qui est vraiment, on peut le dire, c'est une valeur sûre, le Crazy Sandil. Et sinon, le dernier bar, donc le troisième, je l'ai fait au Jackie Slug 150. Alors en fait, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas sûrement. Je fabrique mes propres leurres et celui-là, donc le Jackie Slug 150, c'est tout simplement un prototype, je suis en train de tester. Voilà. Ici, j'en ai un bleu pour vous montrer, donc là, c'est un prototype, hein, je le fabrique moi-même et je le teste. Et donc là, ce leurre, c'est pour ça que si vous tapez ça dans Google, vous allez rien trouver tout simplement. Parce que j'ai déjà eu des remarques comme ça, c'est pour ça. Et donc voilà, donc c'est en fait, je fabrique mes propres leurres. Et donc si ça intéresse des gens, j'ai un petit site internet où je vends mes créations, notamment le Jackie Chad. Donc le Jackie Chad, lui par contre, qui est disponible à la vente, puisque ça fait déjà bien longtemps que je l'ai testé et que je l'ai validé. Donc j'ai eu le temps vraiment de m'en occuper. Donc voilà, là voici deux coloris, par exemple le Waka ici. Donc Wakazagi et Tangerine, voilà, c'est deux exemples. Mais ces leurres-là, voilà, je les fabrique tout simplement ici dans mon garage, à la main, vraiment de manière artisanale. Donc si vous voulez faire un tour sur ma petite boutique, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc c'est dans la description. Surtout que de nos jours, on essaie de donner de plus en plus de sens, on va dire, à nos achats en achetant locaux, en achetant du Made in France. Donc je sais que ça peut en intéresser plus d'un. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ma petite promotion de mes leurres que je crée tout simplement. Donc les Jackie Chad, je ne les ai pas utilisés dans cette vidéo, mais j'ai fait une autre vidéo en début de saison où il a pas mal marché durant cette session. Donc je vous renvoie sur la vidéo, ça sera là ou ça sera là. Pour ceux que ça intéresse, je vous dis, n'hésitez pas à checker la description. Et vous trouverez le lien de ma boutique avec des photos, des explications complémentaires. Et également, si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire ou à venir carrément me parler directement sur Facebook ou sur Instagram. J'ai mes petites pages Instagram et Facebook, donc si vous voulez venir me parler, ça sera avec grand plaisir. Et si vous avez des questions, j'essaierai de vous conseiller au mieux. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé vraiment cette session, comme je l'ai dit, restera longtemps gravée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, puis à liker la vidéo si elle vous a plu également. Je vous remercie d'avoir regardé. Allez, ciao les amis.